En temps normal, Mélina Plante et François Daou seraient sur le point de démarrer leur serre pour la prochaine saison. Mais cette année, elle restera plutôt vide. Les 315 abonnés qui prenaient leur panier de légumes bio à la ferme du couple devront s'approvisionner ailleurs. Nous vous écrivons pour vous annoncer que nous allons prendre une pause pour la prochaine saison. Ils ont averti leurs clients au début février. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Année après année, compléter une saison relève de l'épreuve, un vrai tour de force, à la fois physique et mentale. L'image est celle-ci. Nous avons l'impression de tirer une charge trop lourde pour nous. Dans leur ferme biologique baptisée Les Bontés de la Vallée, Mélina Plante et François Daou cultivent habituellement 70 variétés de légumes, fruits et fines herbes. Les deux agriculteurs travaillaient de 80 à 100 heures par semaine en été avant d'avoir des enfants. On a décidé qu'on avait le goût de s'occuper d'eux. Fait que la ferme, on avait moins de temps pour ça. Ils ont réduit la cadence, mais c'est encore trop, même avec quelques employés pour les épauler. Tu donnes toutes tes heures, puis là, t'arrives, puis là, poc, tu tombes. Août, septembre, ça devient dur. Là. On termine chaque saison plus à un stade plus avancé d'épuisement que la saison précédente. Et ce travail acharné ne leur permet pas d'atteindre la rentabilité. Mélina est la seule à se verser un salaire. L'entreprise est déficitaire d'année en année. On est sur la marge de crédit avant même de recommencer la saison. Fait que si tu dis, ben mettons, j'ai 10 000 piastres en dessous cette année, ben l'année prochaine, ça va être à peu près pareil. Puis je vais être rendu à 20 000, puis 30 000. Puis... Après 15 ans en activité, le constat est brutal. On n'a pas trouvé un moyen de vendre notre production le prix que ça vaut, dans le fond, avec tout l'effort qu'on met. Leur situation est loin d'être une exception. Selon cet agronome, la récolte salariale des maraîchers biologiques qui ont une production diversifiée est plutôt maigre. Les propriétaires de l'entreprise souvent se rémunèrent très peu. Ils vont prendre 10, 15, 20 000 par année. S'ils engagent un employé, bien, ils n'ont pas le choix de le payer au moins le salaire minimum. Donc, généralement, souvent, on voit les employés qui sont mieux payés que les propriétaires de fermes. Il y en a que ça va être aussi peu que 5 $ de l'heure, 10. Plusieurs producteurs ont décidé d'arrêter la vente de paniers. Une grosse production d'ail maintenant qu'on n'a plus les paniers. Établie depuis près de 20 ans, la ferme La Chouette-Laponne a livré ses derniers paniers bio en 2020. Elle avait alors 365 clients. Tu te dis, un jour, on va l'atteindre, ce moment-là, où que ça va bien rouler, on va avoir une qualité de vie, puis on va réussir à faire notre salaire. Ça demandait tellement de temps pour réussir à faire le salaire nécessaire que tu te dis, bien, il n'y a plus rien d'autre, il n'y a plus de place à rien d'autre dans notre vie. Aujourd'hui mère de deux enfants, c'est après une fausse couche en 2018 que Rachel Trépanier a décidé de ralentir le rythme. Puis je me disais, bien, crime, j'aurais peut-être dû faire plus attention. C'est peut-être que j'ai couru après en travaillant comme si je n'étais pas enceinte. Là. De nouveau enceinte l'année suivante, elle a alors constaté le manque de soutien pour les femmes qui dirigent de petites exploitations agricoles. La jeune mère a dû utiliser ses prestations d'assurance parentale pour payer un employé qui l'a remplacé pendant son congé de maternité. L'argent qu'on devrait prendre pour vivre normalement, bien, on la prend puis on la donne à quelqu'un d'autre qui fera pas 100 % de ce qu'on fait. Puis elle a appris qu'elle n'aurait pas de place en garderie pour la saison suivante et que la majorité de ses employés voulaient quitter l'agriculture. C'en était trop. Mais projeter l'autre année avec un bambin à la ferme, un chum qui pourrait peut-être tomber d'épuisement en pleine saison, puis une équipe composée à trois quarts de nouveau personnel. Moi, je sentais pas que j'allais avoir la force. Pour une partie des entreprises, là, on est peut-être venu à bout de l'idée de dire que je vais être un entrepreneur, puis je vais me débrouiller tout seul, puis je vais vendre tous mes légumes, puis tout va bien aller. Ça nous manque, mais en même temps, c'était tellement fou, si on recommence, ce sera pas tout seul. Environ 170 fermes offrent des paniers bio au Québec. Plusieurs sont à la recherche d'un nouveau modèle qui permettra de gagner sa vie avec une charge de travail convenable. On a un nombre croissant d'entreprises parmi nos membres, je pense une quarantaine, qui sont des coopératives de travailleurs ou des coopératives de solidarité, de telle sorte qu'ils répartissent le risque et le travail parmi leurs membres qui travaillent sur la ferme. Il ne faut pas juste que ce soit rentable, il faut que ce soit viable. Pour avoir une belle qualité de vie, il faut que tu divises ta charge. Il faut le faire à plusieurs.
plutôt que ça soit tout sur nos épaules, bien, dans le fond, l'agriculture, notre alimentation, ça devrait être un projet de collectivité, un projet de communauté. François Daou et Mélina Plante rêvent d'une ferme communautaire où certaines tâches pourraient être accomplies par les membres qui payeraient le juste prix pour leur panier de légumes. On pourrait calculer le vrai coût de ce que ça coûte en incluant nos salaires. On se fait un jardin où on se fait la meilleure qualité. Demandez aux gens, si ça, ça a de la valeur pour vous, est-ce que vous êtes prêts à partager le prix? Puis on se le divise en tout le monde, puis là, ben, on va pouvoir se faire un beau jardin. On va le proposer au monde. On a la chance d'avoir des abonnés, des super bons clients de longue date. Ils expliqueront leur démarche lors d'une rencontre à la fin du mois. Cette année, on cultive pas des paniers, mais on cultive la communauté. La graine est semée. Reste à voir si elle va germer.